Bonjour tout le monde, jour 4 du défi abdos fessiers. Aujourd'hui, on travaille les muscles fessiers en commençant avec le sumo squat. Position, on écarte les jambes, les orteils pointés vers l'extérieur et on descend en faisant un squat et on remonte. On s'assure de garder les genoux au-dessus des pieds, sans ligne vers les orteils. On tire les fesses à chaque remontée. On s'assure de garder les épaules vers l'arrière et la poitrine devant. On en fait 20. Avec le deuxième exercice, le Bulgarian Split Squat. Alors, en fait, c'est un lunge, mais le pied arrière est positionné sur quelque chose de plus élevé, donc un bench, ça peut être aussi une chaise. Du même côté que la jambe, dans la main, on va avoir un poids afin d'accentuer l'effort. Et puis, on descend en lunge. On s'assure de garder le genou en direction des orteils sans jamais les dépasser. On garde le dos bien droit, la tête alignée dans le tronc. On en fait 10 de chaque côté. Le curtsy lunges. Donc, ce qu'on doit faire en fait, c'est de faire des lunges en croisant la jambe vers l'arrière. On s'assure de garder le genou au-dessus des orteils. On garde le tronc bien droit. Encore une fois, on a des poids dans les mains pour accentuer l'effort. On en fait 10 comme ça. Le prochain exercice se fait au sol. On allonge notre corps sur le côté. On s'appuie la tête soit sur la main, on pourrait aussi complètement s'allonger l'oreille sur l'épaule. En fait, on relève la jambe pour vraiment travailler le côté de la fesse et on fait 20 remontées. On squeeze à chaque remontée. On va maintenant fléchir le genou et on va faire une rotation de la hanche en mettant le genou vers l'avant, puis le talon vers l'arrière de la jambe. Devant, derrière, devant, derrière. Super important, la rotation se fait vraiment au niveau de la hanche. Vous devriez le sentir que ça travaille le muscle fessier. Breaking your heart, it don't end. Clearly, it doesn't take your heart.
le même exercice, mais cette fois-ci, on double. Donc, deux genoux, deux talons, deux genoux, deux talons. Encore une fois, on s'assure de faire la rotation vraiment au niveau de la hanche. De côté, on se place sur le côté, le genou. Et on va taper une fois en avant, une fois en arrière, genou, talon, rotation au niveau de la hanche. On garde les abdominaux bien contractés toujours et on en fait. On termine avec le double, c'est-à-dire qu'on fait deux genoux, deux talons en alternant et on fait la rotation au niveau de la hanche, toujours en contractant la fesse et les abdominaux. On est presque fini, gang, on lâche pas! On va passer aux étirements. Alors, je vous présente un étirement vraiment efficace qui fait vraiment du bien. Alors, on se place sur le dos, on met la cheville de la jambe droite sur le genou gauche et on soutient la jambe gauche avec nos mains derrière la cuisse et on reste comme ça quelques secondes. On fait le même étirement, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc, on place la cheville gauche sur le genou droit. On tient derrière la cuisse droite et on tire pour bien sentir l'étirement derrière la fesse.